Alors, j'ai installé les dominos de liaison sur les palonniers au trou intermédiaire. Vous pourrez peut-être être amené à repercer le palonnier avec un petit foret de diamètre 1,5 pour que le domino puisse se positionner aisément. L'écrou qui vient bloquer le domino doit être immobilisé. Donc nous allons utiliser pour cela ou du frein filet ou plus simplement un peu de vernis à ongles qui, lorsqu'il va sécher, empêchera l'écrou de se desserrer. Voilà, il faut garder une mobilité entre le domino et le palonnier. Donc l'écrou est juste monté, mais bien s'assurer de mettre ou du frein filet. Les palonniers ont été fixés sur les cerveaux. Ne pas oublier de mettre la vis qui permet de maintenir le palonnier sur le cerveau, sinon celui-ci peut se déboîter et vous perdez la commande en vol, ce qui peut être très 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 gênant et très dangereux. Éventuellement, vous pourriez être amené à recouper l'extrémité du palonnier pour éviter qu'il ne touche contre le flanc. Il nous reste maintenant à réaliser les commandes en corde à piano qui iront des palonniers jusqu'aux gouvernes de l'avion. Le piano livré dans le kit doit être découpé en deux bouts de environ 490-480 mm de long, et à chaque extrémité on réalise ce qu'on appelle une baïonnette, un pli en Z qui va nous permettre de fixer. Et voilà, j'utilise la corde à piano qui est livrée dans le kit, et nous allons réaliser à l'extrémité de cette corde à piano ce que l'on appelle une manivelle, comme ceci, ou une baïonnette. Donc pour ce faire, il nous faut une simple pince plate. On enfonce de 2 mm la corde à piano dans la pince et on plie à 90 degrés. Ce pli, on l'enfonce dans la pince toujours d'environ 2 mm. Et on fait un deuxième pli. On obtient ceci. Il reste à prendre la partie qui a été pliée et de tourner comme ceci à 90 degrés pour obtenir notre baïonnette. Pour l'installation de la commande, vous glissez la corde à piano dans le logement. Ici, l'extrémité de la gaine de commande orange que nous avons collée précédemment. On voit la corde à piano qui ressort de la gaine et qui vient passer ici dans le domino. Pour l'instant, inutile de serrer la vis. Le guignol de profondeur a été installé, la corde à piano glissée dans la gaine située à l'extrémité du fuselage. Dans la partie supérieure, nous avons mis en place la petite pastille pour bloquer le guignol. Notez que l'excédent du guignol ici devra être coupé pour permettre le mouvement du volet de profondeur vers le haut. Alors, pour terminer l'installation des commandes, je vais, à l'aide de deux bouts de bois récupérés parmi les chutes du kit et deux pinces, immobiliser en position le volet de profondeur pour le retrouver donc bien dans le prolongement de l'empennage. Une fois cette opération faite, je peux, avec mon tournevis, serrer les vis qui maintiendront les cordes à piano sur les palonniers des cerveaux. Donc cette opération